Oui, le chef de l'État va déjeuner avec les Bleus à Clairefontaine. Mohamed Bouafsi, Jean-Louis Tour mèneront l'interview pour RMC. Et nous sommes justement en ligne avec Mohamed Bouafsi. On imagine que vous avez plein de questions à poser au président, Mohamed. Oui, on a plein de questions à lui poser parce que l'actualité est très importante dans le football. Le football, c'est le sport le plus pratiqué par les Français, le sport préféré des Français. Aujourd'hui, il y a plein de sujets évoqués avec Emmanuel Macron. On pense notamment aux droits télé après la faillite de Mediapro où la Ligue 1 sera diffusée la saison prochaine. On lui demandera. On pense aussi au football français de clubs, les clubs de Ligue 1 qui se plaignent souvent de la régulation européenne, les clubs de Ligue 1 qui se plaignent souvent de leur compétitivité puisqu'ils ne peuvent pas affronter les autres équipes européennes. On lui demandera, mais on lui demandera surtout parce que tous nos auditeurs nous appellent sur RMC, des centaines de présidents de football amateur nous demandent souvent on va mettre la clé sous la porte, on va couler notre club amateur. On lui demandera si le quoi qu'il en coûte existera aussi pour les clubs amateurs et on reviendra bien évidemment sur sa passion du foot. Lui, le supporter de l'Olympique de Marseille, le grand passionné de Marseille, est-ce qu'il suit quotidiennement l'actualité de son club? Ça sera l'actualité du jour.